Le Tour de Catalogne 2001, commencé par un contre-la-montre par équipe de 24 km 400 sur un itinéraire tout plat autour de la ville industrielle de Sabadell. Pour cette 81e édition du Tour de Catalogne, le meilleur temps provisoire a été réalisé par la formation Festina, qui s'était lancée en 6e position avec un temps de 26 minutes pour l'équipe de Angel Luis Casero. Malheureusement pour l'équipe Festina, elle va être dominée par la formation favorite pour ce chrono inaugural, l'équipe Once Eroski, articulée autour de Joseba Bellocchi, 3e du Tour de France et vainqueur des Tours des Asturies 2000. Autour de Bellocchi, il y avait deux très bons coureurs comme Santos González, Igor González, 2e de la Volta 99, Jörg Jaschke, le rouleur allemand, 8e de Paris-Nice, José Ivan Gutiérrez, Heitor González, Rafael Gas, Marco Serrano, 8e du Giro et de la Volta 97, ou encore le Colombien Ivan Parra, qui a terminé 9e notamment d'une Vuelta. Vous voyez ici Joseba Bellocchi, on reconnaît cette formation Once avec son maillot jaune. Je vous rappelle que pendant le Tour de France, elle porte un maillot rose parce que on ne veut pas confondre le maillot de la Once avec le maillot de leader du Tour de France. Et vous voyez que surpuissante, la formation Once va dominer largement ce contre-la-montre. Elle était déjà largement en avance sur l'équipe Festina. Eh bien, elle va accentuer l'écart au fur et à mesure des kilomètres. Nous sommes maintenant dans le final dans Sabadell, dans un final plutôt urbain, toujours très bien organisé. L'équipe espagnole va réaliser un temps de 25 minutes et 13 secondes, soit 47 secondes de mieux en 24 km que la formation Festina. La troisième place est pour l'équipe Kelme à 53 secondes, l'équipe Kelme autour de Oscar Sevilla et de Santiago Botero. Quatrième place pour la Ibanesto à 58 secondes, l'équipe de Jiménez notamment. Ciao.